Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, t'es coulé, l'accepté, pour crucifié, pour mettre ta vie. And so glad to be here. All of you are here in this house for the first time, the second time, the third time. We just want to welcome you. Come on, reach out to your neighbor and say, welcome to Restoration. Say that good way. Welcome to Restoration. Feel at home. Bienvenue à votre restauration. C'est ça. Bienvenue à votre restauration. Sans nous qui sont de loin, qui sont de près, nous capables à faire nous. Eh bien, nous disons que bon Dieu est capable de bénir. The message that I have for you, see, I only have basically 25 minutes. I need you to believe. For God to do what He is about to do in 25 minutes. Can you believe that with me, right? We've got one message, last message, but we're going to come here. I'm excited about it. There's a word in my spirit, there's a word in my heart that I want to share with you. I pray to God that you are ready to receive it. Est-ce que l'on a venu? Parce que l'on veut recevoir, c'est l'esprit mon Dieu de l'air. Donc c'est l'esprit à l'air, on qui sont levés, c'est quoi? Recevoir, c'est pas recevoir. You're gonna make a statement. You're gonna say to your neighbor, this is it. When God brings you where He's about to bring you, so that they don't get shot, they don't be surprised, you're gonna tell them, I told you so. Say that to your neighbor. I told you so. Find a friend, find a neighbor. I told you so. This is how you did it. When they do that, Lord, when you read them, when they are with them, you are étonnés. Est-ce que là, you are surprised when they are so walking. This is how when they do that, when he brings me where he's about to bring me, when he takes me where he's about to take me, don't be shocked, don't be surprised. Just remember, I told you. One more time, I told you. Because this is not my last at all. Where you see me right now, this is not what I'm saying. I am in a transitioning mode. Jesus Christ. What a comeback. Many of us, we are used to seeing throughout our lives and in history. Comebacks. You see it all the time. Côté que parfois, on a une équipe football. Et il y a une mène sous l'île. Là, on a calé l'homme. C'est tout bagay fini. Est-ce que l'on a dit ouais? Yo, retourné. C'est yo qui gagne. Sous-songé. En février, là, côté que regardez nos patriotes là. Yo, prenez Falcons, stop that. They were going to win that game. I'm still upset about it. But Tom Brady came back and win that thing. Y'all remember that, right? LeBron James. He came back and won that thing, right? Y'all remember all those things. There is also a man, a football player, a retired football player named Kurt Warner. Let me tell you some of our history. The Bible says that Kurt Warner, he went undrafted back in 1994. So he took a job and working at a grocery store for $5.50. Are you hearing me? How are you hearing me? He was supposed to be in the NFL, but no, not a team gave him a chance. So he went undrafted, so he took a low-paying job. But our story continued to tell us that he began to play in the Arena Football League, and later NFL in Europe. And somehow they saw him at the NFL here in the United States of America. They called him, and he played for St. Louis, the Rams, if you know about football. And check your history, you will see that back in 2008, he was a man of the year. And again, he led his team to victory in the MVP league in the Super Bowl. You following me? A man was not even in the NFL. He got to the Super Bowl twice, and they still know him nowadays as one of the best clutch player. I mean, at Kurt Warner, when the game was online, you want the ball to be in his hands, and he knows what to do with it. And Lord Chicken, à travers l'histoire, vous regardez pour le Japon et bien sûr l'Allemagne après la guerre, la deuxième guerre mondiale, deux pays sérieux, c'était deux pays écrasés. Ma parole est bien rapide, mais actuellement là, Germany and Japan, they are the third and the fourth economy in the world. The third and the fourth best economy in the world. Quand un pays est écrasé, un pays que le monde mettait sous côté, et bien
seulement à ça qui passe, ils retournent en ville, ils en forme encore, et bien notre économie paille, son économie qui a bougé. Maintenant, if you want to check, politically speaking, there was a man named Abraham Lincoln, the 60th president of the United States of America. This man went through so much. I'm telling you, if you were to read his biography, not knowing who he was, you will say that he is a failure. Are you hearing me? Abraham Lincoln went through so many and many hardships. Even his beginning, he grew up basically in poverty, a self-taught man. Monsieur Gampil, bagay que l'il fait que l'histoire reconnaît jusqu'à présent. Conseil le discours que monsieur bagaille, jusqu'à présent, les hommes, est-ce que la remède a mis des têtes chapeau bas devant non ça, mais qui était nous, c'est pas consacré, dérivé. He had to go through some hardships. He had to go through some obstacles, but he overcame them. Are you following me? He made some comebacks. Every successful people had to go through some stuff. Est-ce que la même? Tout le monde connaît dans la vie à qui réussit. Tout le monde connaît dans la vie à qui gagne. C'est pas comme ça, il aurait été, il a gagné. Est-ce que la même? Il y a quelques misères au passé, il y a quelques bagailles que l'on était obligé d'affronter pour arriver au côté où il est arrivé. Parfois, tomber sur le monde, dans la page pour tomber assez dans la page succès, et vous pensez que c'est comme ça, ça t'est toujours lié. Comment fixe ça? Moi, tout le monde tombe dans la page succès, et puis vous pensez que c'est comme ça. Non. It has not always been that way. Non, mais non, nous avons chuté là. Si vous avez retourné dans le passé, vous avez réalisé le passé, vous avez semblé à présent. Est-ce que la même? Et en fait, de nous, futur, puis même le présent. Est-ce que vous recevez par ça? Your past doesn't look like your present, and you have to believe that your future is even better. Mm-hmm. Now, talking about comebacks, there's a man who lived some 2,000 years ago. He predicted exactly to the letter what was going to happen to him. Are you following me? Yes. His name is Jesus. Many scholars, and right now CNN, they have a show on TV called Finding Jesus. It is fascinating to see how a lot of great scholars, a lot of people with PhDs, they are making statements about Jesus that will make you scratch your head. You see, they don't know nothing. Parce que une chose m'a réalisé, on est qu'à de connaissances, mais soit le Saint-Esprit en Dieu. Est-ce que là, tu peux ouvrir les pages de la Bible ou appeler mon compagnie? Finding Jesus, they are looking for Jesus because many of them, they don't believe in the resurrection. Do you hear me? They don't believe that Jesus really got out of the grave. They have all kinds of stories to explain away the resurrection. And they claim and they say that Jesus was the victim of his own fame. Are you hearing me? I'm trying to preach you today. En plus, là, on dit Jésus n'est autre que le victime de sa popularité. C'est tellement pire, nous commençons à battre la peau pour Jésus. En plus, nous aimons Jésus et puis Jésus pensait. Au moment où c'était lui-même le roi, c'est lui qui était le Messie. Et puis, quand il y a tué, il y a crucifié. Est-ce que c'est vrai? Dans le titre que nous avons, nous ne pouvons pas gagner qui est Jésus qui est le boss surprise. Est-ce que nous avons des amis? Moi, je ne peux pas gagner qui est Jésus qui est qui s'appelle. Force supplice, tout ce qui est arrivé, il te dit exactement ça qui t'a arrivé. Regardez pour elle ce récit, ce passage dans Marc chapitre 16. I want everybody to see those verses with me. If you don't mind, just say, let your eyes rest on these verses. I will read for you only two verses. In Marc 16, dans Marc chapitre 16, verset 6 et verset 7. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. C'est l'ange qui parle aux femmes. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Alors, suivez ça. Allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. In English is very, very quick, very simple. The angel
angel spoke to the ladies and he said to them, don't be alarmed. Don't be alarmed. You are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. Are you there? He has risen. He is not here. See the place where they laid him. There's something that I need you to do, ladies. But go tell his disciples and tell his disciples and Peter, he's going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he. That is my message right there. Just as he. Come on, somebody say, he told you. Come on, say that. Say, he told you. One more time, he. The ladies, we need to appreciate their hearts. We need to appreciate their good intention. But there was a lack of revelation. Because had they had the right revelation, they would have never taken the destination to go to the tomb. Are you there? Had they really believed in what Jesus was saying, they would have never went to the tomb because Jesus made it clear. I'm about to read for you a few verses just to elaborate, to let you see how many times Jesus himself predicted his death, his burial, and his resurrection. Jésus a bien prédit, il a bien prononcé, il a bien parlé de sa mort. Non seulement il dit, il y a tué, mais après ça, il y a enterré, et puis ça a vivé, il y a la ressuscité. Now let's go into the word of God real quick. In Matthew chapter 12, verse 40, I'm just énuméré pour quelques versets, côté que Jésus lui-même l'a parlé de mort, et l'a parlé aussi de résurrection. In Matthew 12, verse 40, it says, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be there 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now go down to the 16th chapter. I'm just staying right here in Matthew with you. Matthew 16, verse 21, it says, from that time, what time? Ever since Peter made the declaration that you are the Christ, the Son of the Most High God. You remember that, right? Est-ce que tu as des déclarations ça? Côté que Pierre Campbell dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. Et à partir de ce moment, à partir de cet exemple, Jésus commence à dire, chante que petit mon Dieu a eu qui pour caler, il y a pour mourir. From that time on, Jesus began to explain to the disciples how he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed. Watch this. He must be killed. What else? And on the third day be raised. Somebody say, be raised to life. Go down to Matthew 17. Come on, we are doing a word search right now. Come on, there's a theme going on here. Matthew 17, verse 22. When they came together in Galilee, he said to them, what did he say? The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will do what? Come in here. They will kill him. And on the third day, there's a theme going on, right? He will be raised to life, and the disciples were filled with grief. Why? Because they focus on the fact that he's going to die, but they neglect the second part. See, people hear what they want to hear. Est-ce que ça fait bien? Jésus dit, libéral mourir, mais pas seulement mourir, ça va passer, la ressuscité, la pleuve, disciple, chaotrice. Je t'ai supposé donner tout le message, ça fait loin prêcher, mon est parti, on est avec quelques parties, on va attendre, on va attendre, but I'm telling you, you need the whole revelation of Jesus Christ. Go down to the 20th chapter. Le Matthieu 20, allez ça, Jésus a dit. Now Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 aside on the road and said to them, he's going to expound. He could not say any clearer. It's the first time, now he's been saying he's going to die. Now he's going to tell them exactly how he's going to die. Are you following? He's making it clear, crystal clear for them not to miss it. He said, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed. Do you see that? He's making it clear. He will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death and deliver
deliver him to the Gentiles. We're talking about the women, right? And they will do what? They will do what? They will mock and scourge and crucify. It's not over. It's not over. Guess what? Guess what? And the third day, he will rise. Yeah. And the third day, he will rise. Dá um toucho essa área de Jesus. Jesus morreu para ali. Li pa jom ti mou ves nouvel la, san pa ba e bon nouvel la. Eske nan, eske nan? Oh, our Jesus is not a negative person. He said, I will die, but that's not the end of it. I will rise again. Eske nan? Li toujou ba e tou lè de ansam. Li di, map moui, men pone bie. La mort, ce n'est pas la fin. Eske nan? Non seulement map moui, men map ki sa map ressuscité. En d'autres termes, Jésus pa ganyen ki rive. C'est pas hasard ki rive. C'est pas coïncidence ki rive. Soit monté dans Esaïe 53, ou après Jean Bible a décalogué, Jean que Jésus est pour souffrir. Moi, mon garde, soit dans Matthieu, dans Psaume 22, il dit en Messiah, Somme, il aussi, Lord Jésus, à la croix, a prié, Père, Père, pourquoi Matthieu a abandonné? Checker, est-ce que là, dans Psaume 22, je ne doute pas, or ça, mais Lord, checker dans Psaume 16, this is a key verse for you. And the 10th verse, I want you to see this. And Psalm 16, verse 10, the Bible said, because you will not abandon me to the realm of the dead, you will not let your faithful, your holy ones see decay. That is why Jesus a parlé quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. On dit Jésus dit m'a mouru, mais en vérité moi pas resté en bas terre, parce que même moi mouru m'a levé encore, m'a ressuscité encore, son petit temps m'a fait. Mais après ça, on est pour nous camper debout. Comprendre ce qui a passé là. Jésus dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, pas de monde qui a pris vie. Est-ce que là, on a la parole? Qui ça me dit? Pas de monde qui a pris vie. Moi, j'ai pouvoir pour moi. Et j'ai pouvoir encore pour moi. Attends. Moi, j'ai pouvoir pour moi. Et j'ai pouvoir aussi pour moi. Moi, je suis. Vous comprenez ça que la parole descend. Il va pour la bouche, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que la vie? Dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection. That's what he said to Mark and Mary. I am the resurrection and life. Mais dans les messieurs, c'est résurrection et la vie. Pour qui ça vous oblige à quitter autour de vous? Qui ça me dit? If you are the resurrection, why would you allow them to kill you? That's not a statement that Jesus made about his life, about his death, that I want you to see. This is good, this is good. He said in John chapter 12, John chapter 12, the 24th verse. You got to see this. John 12, the 24th verse. He said, I guarantee you this truth. Please, pay attention. I guarantee you this truth. What is it? A single grain of wheat does not produce anything unless it is, I'm looking for a word here, it's big and bold. Eh? A single grain of wheat does not produce anything unless it is, come on somebody, planted in the ground and dies. If it dies, it will produce what? A lot of grain. Do you see this? Do you see? Jésus a parlé, fait déclaration ça. En vérité, je vous le dis, dans Jean 12, dans verset 24 là. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, quoi? Il porte beaucoup de fruits. Jésus est la résurrection et la vie. Est-ce que la même? L'idée pour le fruit en bas terre, c'est pour bénéfice par le mort. Je dis d'accord pour planter, c'était pour bénéfice pas. Moi-même à faire passer le bon s'il entrer en matière. Lui mourir, est-ce que la femme, l'être ressuscité avec vous. L'être campé, comme vous avez dit là. He died, it was for our benefits. Now what I want you to understand is that, listen, many times, and that's what you need to get. There is a difference between the way that God operates and the way that man operates. This is good. Si mon mot la donne rêve, dis on va garder ça. Mon nous laissons prendre. Est-ce que tu dis? Il faut en bataille, c'est enterrer l'intérieur.
Est-ce que nous sommes ratés tout ça? On dit les hommes, non. Ils font en bataille, qui ça fait? S'enterrer l'intérieur. Mais les mon Dieu blanc, les mettons en bataille, c'est pas enterrer l'intérieur. Mais c'est planter l'intérieur. Est-ce que là, tout ça m'a fait? Regardez-nous, tout un vrai, formier le connaît ça. Est-ce que là, tout fait comme sur la terre comme ça? L'homme green, non? Ou mettez en bataille, ça passe. C'est pas toujours vous la trouver. Est-ce que là, c'est pas enterrer, mais mon différence, c'est planter ou planter. Il paraît que même action, mais c'est pas le même résultat. Est-ce que là, les hommes, when men put you under, when they put you in the ground, they say it's all, it's over. But when God puts you under, when God puts you in the ground, he has a different intention. He has a different motivation. He plants you so that you can grow. Est-ce que là, pour Dieu planter, c'est pas pour être en bataille, mais pour le capriver en vérité. Est-ce que là, nous avons fait une déclaration, c'est le sort et le c'est planter, mais pas enterrer. Quand tu veux qu'un ministre de la personne, tu te dis, oh, il y a un bon droit.
so that we can go to heaven. Yes, sir. Are you following me? Let mon Dieu vous faire expérience avec vous. C'est pour vous bénéficier. Amen. Oh, bon mauvais. Je ne sais pas. The very fact that you're still alive. Breathing. Are you following me? Ma conclusion est, soit tu viens la vie de Jésus. We benefited from his life. And we sure benefited from his death. Amen. Nous bénéficions de la vie de Jésus. Et nous bénéficions aussi de la mort de Jésus. Vous comprenez ça, vous voyez, vous entendez, vous entendez tout le message. Où doit son monde à vivre? C'est pour nous bénéficier de vie. Amen. Et nous pouvons bénéficier aussi. La mort. Ah, vous pensez, vous pensez. Un bon message là, oui. Nous pouvons bénéficier de la mort. Yes. Alors, nous ne pouvons pas prier, ni pouvoir tuer personne. Est-ce que c'est ça, là? L'homme vit, ou bon, j'en peux taper, ou bon, j'en peux pas, et nous pouvons. L'homme mourit tout, dans son lit derrière. Ah, vous pensez, tout ça, hein? C'est pas juste pour vivre, quand des messieurs qui l'aiment, ou moi, si vous quittez, l'aime mourir, est-ce que l'aiment? C'est vous petit Dieu, dites pas maman au ciel, mais pas maman qui te dit, ah, vous n'êtes pas là. Est-ce que l'aiment? Jésus mourit, qui te derrière, est-ce que l'aiment? Est-ce que l'aiment? Pourquoi vous avez appris, c'est juste que je vais pouvoir faire tout, pour appeler le monde qui est chargé, pour appeler sur l'évangile qui est là. Est-ce que l'aiment? C'est pour nous bénéficier, ni de la Bible, pour faire que je dis ça, c'est pour nous bénéficier de l'or, de la mort. C'est pour nous l'homme qui est sous la terre, il a pu faire quelque chose. Ma juste béni, juste David là. I breathe, I have a God's hair, and I'm doing nothing. Are you following? You need to make up your mind and say, people will benefit from my life, and they will sure benefit from mine. Yes. Yes. Amen. Ça va faire sens? Yes. Pour pas deux mourir pour quitter mon ambition d'être chargé. C'est pour mourir. Est-ce que là, hein? Les mouns viennent crier, moi, c'est ça, mon Dieu. Les mouns viennent crier, on y a assez de l'autre, on y a plus d'abord, on y a combien de mouns. Yeah. How much you left? You come, there's a smile. How much? Hey. Non seulement on quitte, regardez non, des choses que nous avons mangé, on quitte des choses spirituelles. Yes. You leave the heritage of faith, that is the primary thing. Are you there? Les petits mouns comme la prière vous disent, même vous pouvez délivrer maman. Est-ce que là, même mon Dieu, ça c'est l'équipe, mon Dieu, pas. That's the heritage, that's the legacy that I want to leave for my children. Quelque chose qui est pour nous. Même le lac, on a fini. Mais bon, je n'ai pas jamais quitté, on pas jamais abandonné. Comme à la mort. Jésus dit, regardez non, quand tu as mouru, m'a conduit, mais m'a ressuscité. Les médias ont allé dans le tombe là. Il y a un qui est pas dans le roche là. La Bible a dit dans Marc 16, dérivé, je ne roche là, qui est dans l'eau. Quand ça me comprend, dès qu'il y a un roche, on dirait qu'on force pour rouler. Amen. Jean-Jacques 11, il dit aux femmes, quoi, roule la pierre, pas vrai? Mais il y a quelqu'un d'autre, wash, il va avoir force pour rouler, mais c'est lui-même. Jésus va rouler, wash là, il vient d'aller. I wish I had time to preach this day today. Il y a quelqu'un wash pour nous, car il y a avoir force pour vous, même pour vous rouler. Mais il y a quelqu'un wash qui parle avec Jésus, dit ça, c'est pas vous qui rouler. The battle is not yours, but the battle is mine. Est-ce que là, même, quand on va dormir, Jésus a rouler, wash pour vous, même si vous voulez ça, quand on va dormir, il y a Jésus, il y a un rouler. L'homme est mou, les roches paillots. Jésus lui-même, comme tu reçois ma parole, c'est à dire merci Seigneur. Oh, vous-même, pourquoi la poule les roches divine Marie. Jésus, les médailles allaient dans ton nom, le jeune roche qui est en boulet. The stone was rolled already for them. See, let me make something quick for you. See, the stone wasn't rolled for Jesus to get out of that grave, because we know that after his resurrection, he could go through stuff. Are you there? Yeah. There was no hindrances. He could go through all locked doors and so on and so forth. Mais wash ta boule. C'est pas pour Jésus qui a sorti. Mais c'est pour nous qui a bien vérifié. Est-ce que là, est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on est différent? C'est pour nous qui a checké. Certainement, il n'est plus dans la tombe. Quand je l'ai dit, à des disciples, il va là encore. One address. See, I'm praying for you. There are certain things that people will come looking for you in. They will not find you there. Il y a quelques adresses pour changer. Parce que là, on va chercher une adresse misère. Ah, si tu comprends ça, j'ai entendu que je me suis. Là, on va chercher une adresse misère. Est-ce que la même, c'est pour aujourd'hui qu'il y a deux ménagers où il y a une sorte de misère, où il y a un peu qui va en envie. Là, on va chercher une adresse people type. Est-ce que la même, c'est pour aujourd'hui now you don't talk bad about people, but instead of speaking death, now I use my tongue to speak life. I don't use my tongue to bring people down. C'est pour déménager. Il y a quelque côté pour aider. Il y a quelque chose pour aider. Est-ce que là, il y a un sens que tu as. You need to leave that state.
new area of life. But what I like about it, the disciples, they said, the angel said to the ladies, tell his disciples and Peter. Tell his disciples and Peter. Why would he single out Peter? Now they mentioned Peter there as the leader. Although Peter usually stood up in the place of the leadership to talk for them, but I do believe that the angel mentioned Peter to let Peter know that although you messed up, but you're still one of us. Mm-hmm. Oh, y'all didn't hear me. Although Peter, you didn't do what you were supposed to do. You denied the master, but he still got his eyes. On you. Come on, somebody. And I want to submit to you, that is one of the differences between Peter and Judas. Judas went on and killed himself. He stepped out of the church and said, I give up. But Peter said, no matter what, I'm still coming to church. It doesn't matter what they say about me. I'm still going to church. That's the lie, man. I said, no, ladies, I'm a glass. Say, we're going to critique, we're going to parler. That's the lie. Maybe I'm not just going to critique, yeah. But you're too good, David, and you're taking the Jesus. That's the lie. You are no better than I am. Are you following me? I messed up that way. You messed up the other way. We have no right to bad mouth each other. Are you following me? We all need the same thing, and that is grace. Yes. He said, tell Peter, you are still one of us. Come on, somebody. No matter what is going on, I want you to know that you are still one of us. I know sometimes you lie, but you are still heavenly, one of us. I know sometimes you watch movies that you shouldn't be watching, but you are still one of us. Come on, help me here. I know sometimes you got nice people, but you are still. I know sometimes you have certain tendencies that you shouldn't have, but you are still. Come on, look at your neighbor. Come on, do that right now. Still, find somebody. I'm done. Find somebody. Find a neighbor. Say, you are one of us. I'm glad you came to church today. You are one of God's children. You are one of God's kids. I just love you. Did you say, I want you? Did you say, I want you? They are still one of us. And that's why today I'm preaching this restoration gospel. Because I do believe no matter what is going on, are you there? Yes. I want you to, est-ce que là, ceux qui l'a connu, oh, ceux qui l'a appelé les aussi prédestinés, ou pas n'importe où, bon Dieu prédestiné au capable. N'importe ça, il y a un tatou, ou son nom qui m'a dit, remember that Christ has redeemed you from the curse. Are you following me? Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Colossiens 3, le verset 13. N'importe quoi, il va racheter, il va racheter, il sauver. Keep coming, are you following me? Even when you messed up, keep coming, because you are still one of. Would you remember that, Christ? Would you remember that? You are still one of us. It doesn't matter if you're Baptist, if you're Pentecostal, if you're Methodist, as long as you know Jesus as your Lord and Savior, you are one of us. Get it, Christian, I am a Christian, who is a man of Israel. Bagay sa nou ap detwi siye, eske nan reme? De pou kon Jésus kon sauveur personnel ou ki soye, ou se frèm, ou se sèm, mette bon nan mèm, an fè ou kla. Lè yon tombe, se pare sa kon profite krasil, mè se zil, ou se zil te pati de famiyan. Koumen moun ki la ou repiti? Lè bi se la fon se bagay ki fò mal ou son kouta, mè se zil ge signachi ou, se pa sa? They still have your last name. Come on, somebody, right? They still have your last name. And I'm gonna go deeper to tell you, they still have your DN. Come on. You might want to take away the last name, but the DNA, come on, it's impossible. It's like I'm doing, à la croix, bon transfusion qui fait, ma fille là, est-ce que là, à la croix, bon transfusion qui fait, côté que bon Dieu retire vieux sang adamique là, est-ce que là, vieux sang pardon, hein? Lui mettez le sang de Jésus, you have God's DNA inside of you. Greater is he who is in you, God. The he that is in the world, ça qui en mon nom, les plus forts, est-ce que là, DNA que nous n'avons pas qu'à changer, la gare. He is the God of
new beginnings. Sometimes new beginnings can be frightening. It can be scary because you don't know what's coming. But I want to encourage you today to trust Him. Même si on te dit des choses, c'est comme ça tout. La vie est accomplie dans l'air. In Romans chapter 8, the 11th verse, I want you to read this verse with me, and I'm done. It says, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, to His Spirit who dwells in you. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite. Au moment où il y a Jésus, every time he speaks of his death, he always follows with his life, with his resurrection, I should say. Chaque temps Jésus parlait de la mort, qui s'est parlé aussi de là? En pile dans nous j'étais à parler de l'amour seulement. L'amour à tout yo. Est-ce que là, je yeah, nous comprenons mon réalité devant. Docteur a dit ou mal, docteur a dit ce sur cela. L'offre dit, docteur a dit, c'est pour dire le ciel ou même sorti. Est-ce que là, je chose à la carrière, pendant que nous avons compris le message, ça, comment c'est dans le fait. I don't know what it is that is dead in you, that is dead around you. But the Bible says life and death are within the power of the tongue. Est-ce que là, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On parle de la bouche aujourd'hui. Est-ce que là, je vous dis, mais ça, que le Seigneur, mais ça, qu'on même dit. Est-ce que là, vous pas dire, Seigneur, quand t'as que ta situation à moi qui mourra, you don't speak life. Est-ce qu'on peut faire ça ma force ou non? You don't speak life in that situation. The same power that raised Jesus from the dead is living inside of me. Mais au milieu de cet esprit, mon Dieu, de lever Jésus dans ton bois, c'est pour ça qu'on pile dans nos côtés là. Nos situations, qu'on est couché là-dedans, qu'on est là-dedans, c'est qu'on pile dans nous, nous planter quelque temps, et bien faire quelque temps. Est-ce que la même, vous vous joignez comment ça sortit? Il y a quelque chose pour pas se planter, planter. Est-ce que la même, il fait quelque temps, c'est pour moi. C'est pour dire, Seigneur, I want to see the manifestation of how many times I kept that promise. I believe in your promises, but now I want to see the power of your resurrection inside. Come on, lift up your hands right now. Levez-moi. Come on, lift up your hands. I don't know what it is that is dead in your life. I don't know what it is that is not working in your life. But today is a day of new beginning. Today is a day of resurrection. Today is a day of restoration. Oh, because you live, I can face tomorrow. Because you live, all fear is gone. Yeah, puisque je suis à vivre, moi-même tout, c'est pour ma vie. Yes, sir. Now, if you're here today, you don't know Jesus as your Lord and Savior, let me tell you, you are dead. You need to give your life to Jesus. You need to come to Him so that you can receive His life. If you don't know Jesus, soit un Jésus comme sauveur personnel, let me say it again. Ou son nom qui mourit. Soit que l'on connaît là, ou que l'on connaît, ou pas un Jésus comme sauveur, comme maître, une mort à vivre, ou son nom qui mourit. Si tu n'as pas le fils, tu n'as pas la vie. Spirituellement parlant, tu es mort. Je sais physiquement, tu es vivant, en pleine santé, tu as beaucoup d'argent. Mais mon ami, laisse-moi te dire, sans la présence de Dieu dans votre vie, vous êtes un homme ou une femme pauvre. C'est seulement qui a trompé, qui a parlé de la mort à la vie. Le monde a parlé de la vie à la mort, mais moi, ma voix, non, parlé de la mort à la vie. If you don't know Him, it's time for you to surrender to Him and say, Lord, I give you my life. Parce que l'aile connaît Jésus vivant au même tour. C'est pour vivant. C'est pour mener envie de victoire. C'est pour mener envie de grâce. Alléluia. Parce qu'on connaît mon Dieu est le Dieu vivant. Le Dieu de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Comment chante? Alléluia. 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 Oh. Moi, connais.
And now I'm alive forever. I have the keys of death and hell. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Allez en paix et marchez dans cette victoire. Go with that victory. No. Le crucifié, le crucifié, où était ta